parlais tout de suite, il y a une vision. Je vais t'annoncer que ton ennemi que tu as vu, celui qui sera midi, amen. Qui a libéré les paroles, lui qui dit amen, va prendre. Amen. Mon message est fini. Je vais libérer les paroles. Amen. Je descends dans le village de ton papa. Amen. J'ai dit, attends, tu es sorcier. Je descends dans le village de ton papa. Amen. Je descends avec toi dans le village de ton papa. Amen. Par l'autorité de Christ qui a su ma vie. Amen. Au nom du Dieu d'Israël, je déclare la mort de tous les sorciers. De ta maman. Amen. Quel que soit ton pays, ici là-bas, hein, toi. Amen. Je déclare au nom du Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, amen, par la puissance de l'esprit, amen, la mort de tous les sorciers du village de ta mère. Au nom de Dieu. Fais la bande du feu. Si quelqu'un était assis sur ton mariage, ton mari, ta femme, tes enfants, si quelqu'un est assis sur tes finances, ton commerce, tes activités, ton business, si quelqu'un fait que tu as problème de vente, tu ne peux pas enfanter. Si quelqu'un dit que tu vas mourir comme ça, je vous allez souffrir. Je me tiens dans le sang de l'agneau. Je me réfère du nom du Dieu d'Israël. Et par l'autorité de Dieu qui a su ma vie, je décrète la mort de cette personne avant la fin de l'année. Au nom de celui qui dit amen. Construise maison, que tu payes terrain, que tu aies magasin, que tu aies boutique, celui qui ne veut pas que tu voyages, celui qui ne veut pas que tu entreprennes, celui qui ne veut pas que tu sois le David ou la David de ta famille, je déclare que cette personne tombe même à la personne. Regardez, celui qui dit avec fort, fais un pas en avant, tu fais. C'est quand je vous dis là, il y a tant de ma tête, non, quand tu fais, c'est pourquoi il dit ça. Celui qui ne veut pas te voir heureux, ni heureuse, celui qui ne veut pas te voir belle, ni beau, celui que ça fait mal de te voir toujours soutenir l'œuvre de Dieu, de te voir toujours avancer dans l'œuvre de Dieu, celui que ça fait mal de te voir resplendir la gloire de Dieu, de la tête jusqu'en bas, celui qui mijote que tu tombes un jour, que tu sois humilié, que toi et ton mari vous n'ayez rien, que ta vie soit misérable, je proclame sa mort par l'autorité de Dieu. Celui qui ne veut pas que ton commerce marche, ta société marche, ta boutique marche, ton magasin marche, tout ce que tu fais marche. Celui qui ne veut pas que les clients arrivent ou qui a fait quelque chose et puis ils ne viennent plus. Celui qui ne veut pas que tu sois millionnaire, milliardaire. Je me tiens au nom du Dieu d'Israël sur la terre de mes ancêtres et je déclare sa mort à la puissance de Satan. Famille, il y a un Goliath. Dis Goliath. Il y a un Hérode. Et puis, il y a un pharaon. Dans toute famille, il y a un pharaon. Laisse sortir mon peuple. Je ne veux pas. Laisse sortir ma fille. Elle va rentrer dans sa vidéo. Je ne veux pas. Laisse sortir mon peuple. Israël, il s'en va adorer. Pharaon dit, je ne veux pas. Dans toute famille, il y a un pharaon. Dans toute famille, il y a un Hérode. Il a tué Jacques, le frère des gens. Et quand il a vu que ça plaisait aux Juifs, il a pris Pierre et l'a mis en prison. Il y a toujours un Hérode. Et dans toute famille, il y a un Goliath. Quelqu'un qui vient défier la famille. Tant que je suis là, il n'y a pas mariage. Il n'y a pas travail. Les trois vont tomber aujourd'hui. Goliath, Pharaon, Hérode. Trois géants vont tomber. Prépare-toi. Je me tiens dans le sang de l'agneau. Revêtu de l'armure du Dieu d'Israël. Au nom du Tout-Puissant Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de l'Esprit.
desecrata la mort de Goliath, de Pharaon, de Hérode, de ta vie. Avant la fin de l'année, les trois chiens tomberont. Il est devant moi, il est derrière moi. Allez, la chaîne. Asseyez-vous, et touche tout le monde. Non, non, non. Béni soit le Dieu. Venez un à un, et touche tout le monde. Israël.